vous avez dit qu'on pouvait, est-ce que t'as envie d'y aller ou pas? Ouais. C'est parti. Vous voulez qu'on aille avec eux ou pas? Si vous voulez y aller, vous avez droit. Bonsoir! Est-ce que vous m'entendez? Bon, parfait. Dans ce cas, je vais vous demander de fermer votre téléphone cellulaire. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Fermez votre cellulaire. Pas facile, hein? Ça va être comme un sevrage ce soir, c'est difficile, hein? Mais vos convulsions, là, ils sont pas importantes, OK? Ce qui compte, là, c'est le respect des participants. C'est bon? Tout le monde a compris? Bon, parfait. On va tester si vous êtes un bon public. Vous pouvez m'applaudir? Merci. Je me présente, Marc-Antoine Dubreuil. Je ne serai pas l'animateur de la soirée. Non, désolé. En fait, j'y reviens dans quelques minutes, le temps de vous expliquer comment ça va se dérouler ce soir, en essayant de rien oublier. L'objectif de Cégep en spectacle, c'est de promouvoir l'usage de la langue française, de promouvoir les arts de la scène et de donner l'opportunité à plusieurs étudiants et étudiantes d'acquérir de l'expérience avec des métiers liés aux arts de la scène. En gros, c'est une première expérience pour plusieurs participants, pour plusieurs techniciens et pour plusieurs animateurs. Il y a une finale locale dans 63 campus au Québec. Ce soir, on a un jury composé de 12 membres provenant de différents horizons qui, dans le fond, ce soir, ils vont choisir une personne qui va participer à la finale régionale le 24 mars prochain à Lévis. Et peut-être au mois d'avril à Trois-Rivières, si je me souviens bien. Ouais. À l'entraque, vous allez pouvoir participer parce que vous allez pouvoir voter pour votre numéro coup de cœur. Par la suite, vous allez avoir la chance d'entendre notre artiste invité. Dans le fond, c'est un groupe rock de Rad Adam. Comme j'ai dit tantôt, je ne serai pas l'animateur de la soirée. Non, en fait, j'ai un rôle là, vraiment plus important que ça. Je vais être en arrière, là, la voix que vous allez entendre. Fait que c'est ça. Dans le fond, vous savez pourquoi j'ai décidé de ne pas animer? C'est parce que la gang de filles qui font l'animation, là, ils n'arrêtaient pas de se poser des questions. Gang de filles, ça n'avait pas de sens, là, toujours. Là. Et si on n'était pas prête? Et s'il n'y avait personne? Et si on n'était pas drôle? Et si on oubliait nos textes? Et si? Non, mais hostie, on va-tu le partir, ce show-là? Mesdames et messieurs, voici l'équipe d'animation et les participants de Cégep en spectacle 2018. Vous ne me verrez plus, là. Je vais reprendre mon rôle de voix off. Nous saluons la présence de distingués invités dont la contribution financière participe à la réussite de cet événement. Monsieur Claude Langlais, représentant de Monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-Sud. Monsieur Simon Fizette, conseiller de la ville de la Pocatière. Madame Carole Lévesque, promaire de la municipalité de Sainte-Anne de la Pocatière. Madame Marie-Claude Deschaines, directrice générale du Cégep de la Pocatière. Monsieur Pierre Poirier, président de la Fondation de l'Institut des technologies agroalimentaires, campus de la Pocatière, et vice-président de l'Association des anciens de l'Institut de technologies agroalimentaires, campus de la Pocatière. Monsieur Rouen Mercier-Bélanger, président de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Madame Cécilia Proux, présidente de l'Association générale des étudiants de l'Institut des technologies agroalimentaires, campus de la Pocatière. Monsieur Nézor Mahan, secrétaire général de l'Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de la Pocatière. Merci d'encourager la relève artistique. Cégep en spectacle est une production du réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec, une réalisation du Cégep et de l'ITA.
présenté par Desjardins en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Fédération des Cégeps. Dans la catégorie création, avec la pièce « La tête dans les étoiles », veuillez accueillir Christelle Lacoste-Aubin. Quel bel accueil quand je n'ai même pas encore rien fait. C'est très gentil. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais. Donc, mon nom, c'est Christelle. Je suis auteure, compositeur, interprète. J'étudie également en TSA, technique de santé animale. Ce soir, d'ailleurs, j'ai ma gang, je pense. Et ce soir, j'ai l'honneur d'ouvrir le spectacle. Le stress, la pression, c'est moi qui donne le ton à toute la soirée. Ouais. Donc, j'espère que vous allez apprécier ma composition. Ça s'intitule « La tête dans les étoiles » et ça va comme ci. Te regarder, s'il te plaît, reste allongé.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Les animatrices se sont demandé « Et si les dictionnaires n'existaient pas? » Regardez! Il y a une table! Bien sûr! Allons y jouer! Oui, oui! Je vais commencer, car je suis jolie. Évidemment! Avec ma lettre P. R, V, O et E, je forme le mot curriculum vitae. Audacieux! Bien sûr. Avec mes lettres R, oh. R, R et R, je forme le mot appendice. Mot compte double. À mon tour. Avec ma lettre L. M. I. Mon cul. Mon cul. Et mon cul. Oh. Je forme le déterminant. Le. Oh. Furtif. Mais oui. Avec mes lettres L. I. Oh. O et N, je forme le mot lion. Ne serait pas plutôt le mot tomate? Tomate. Si, si, tomate. L-I-O-N, tomate. Vous croyez que je suis lettrée? Bien sûr, vous êtes lettrée, donc vous êtes laide. Avec mes lettres T, R, U, je vous envoie vous promener. Oh! Avec mon U, je vous envoie vous chier. Avec mon V, je vous dis go fuck away. Oh! Oh! Je vous envoie un trait d'union et je le bloque avec la parenthèse. Ah! Ah! La prochaine catégorie mixte création et interprétation. Voici la pièce « Prends la route, Jack » présentée par Alexandre Lazarus, Michael Joly et Damien Lake. Thank you.
Et si, la marijuana était légale en juillet 2018? Voilà, vos repas. Bon appétit. Wow! Oh! Des patates! Hey, je te dis que ça a l'air bon. Oh, elles sont bonnes! Hey, mais, maudit barrette, il y a encore coupé dans la portion. Ben là, arrête de chialer, Denise. Au moins, on a du pot. Vous savez pas quoi? Ben non. Non. Hier, ils m'ont donné un petit peu trop. Pas sérieux. Puis là, j'ai dépareillé tous mes bas. Hey! Vous savez pas c'est quoi la meilleure? Mais non. Non. Écoutez. J'ai mis le bas du Canada avec le bas de la Jamaïque. Dans la catégorie interprétation, avec la pièce Histoire sans parole, accueillez Rosalie Réaume, Raphaël Leblanc-Pajot et Alexandre Bélanger. Bonsoir. Ça sonne, oui? Vous m'entendez? Oui. Donc, on va faire un petit classique de la flûte québécoise. Peut-être le seul classique de la flûte québécoise. Thank you.
Et si le théâtre de premier degré existait? Lâche pas la patate, Joe. La lâche pas. Mais là, j'en ai vraiment plein mon casque. T'es tellement maladroite, là. Passe-moi donc à la pote que ça avance. OK. Excuse-moi, j'ai viré la brosse hier. Je cogne des clous. Là, chante-moi pas à pomme, là. Je vais avoir une montée de lait. Ouh, j'en mange mes bas. Va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Ben, OK. Es-tu vraiment parti voir ailleurs si j'y suis? Mesdames et messieurs, nous poursuivrons avec un segment de deux numéros. D'abord, dans la catégorie interprétation, voici la pièce « Je suis malade », interprétée par Léa-Marie Bugeaud et Clara Volant. Continue.
je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privée de tous mes chants, tu m'as vidée de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Et maintenant, voici une création intitulée « Arbre de vie ». Accueillez Dawa! Si tu connais pas Dawa, tu t'en sentiras pas comme ça. Je l'attendais sur le micro, plus réglo que j'ai un bandeau. Pas besoin de gros chêne, tu te le tends à temps. T'es jeune, vas-y prendre l'expansion, comme les racines d'un grand chêne. Vas-y pousse l'arbre de vie, je suis riche, mais tu m'as choisi. Mets des obstacles dans ma vie, comme des roches au fond de la terre. Pierre comme des démons qui hantent mes branches et pieds. Plus on est dans, hein, malgré tout, je fais de la bonne vie. Puis je me dis que mon son est lit. Hey what? Puis tu sais loin, se la raconte pas. Perso, je la joue solo dans un beau monde nouveau. Positif dans un monde de dépressif, créatif dans un monde trop naïf. À chercher les changements de vie quand tout devient trop répétitif. Yeah, like mon verse fini, fait je peux dire tout ce que je veux. Hey, maintenant confirmé, avant plutôt anxieux. J'avoue là, je peux m'en aller en backstage, le cœur heureux. Puis dire aux autres le sourire aux lèvres que j'explique. Fait deux. Yeah, hey, hey. Hey, je me lance sur un coup de tête, je veux chaque jour devienne ma fête. T'es plein des chiots autant compliqué qu'un putain de casse tête. One shot, c'est le coup fatal, cause mon flow est trop létal. J'avoue, j'ai quand même de retourner à home pour la fonce d'ail. Paquet royal pour le gamin qui veut vivre sans lendemain. Please, fais-moi confiance, on est humain, tends-moi juste la main. Avant que le show annonce sa fin, cul-de-sac au bout du chemin, je m'en vais, et puis c'est moi le vilain. Yeah. Là, c'est un bon monde, trappé dans l'ombre. Je fais mon chemin au travail des décombres. Je veux gagner du verre à écrire ben pour la banque. M'annonce un surnombre. Je veux rapper toute la soirée, m'essouffler puis recommencer avant de me noyer dans mes pensées. Yeah. J'ai encore toutes mes faits puis je vois la vie de bon oeil. Mets ton orgueil de côté avant de te ramasser tout seul. Fais juste là, chez Chris, puis est pas fin de tomber. Maintenant que l'arbre est coupé, comme la voix qui est terminée. Yeah. Bye, merci là. Et si on vous forçait à faire un spectacle pour enfants? Thank you.
Dans la catégorie interprétation, voici la pièce Couleur primaire par Jade Lizode et Alexandre Bélanger. Entre les yeux ronds et les sourires en coin, les larmes de fond, les armes de poing, entre l'espérance et les fausses promesses. Le temps qui passe et l'espace qui reste entre les têtes hautes et les dos ronds, c'est pas de ma faute. Et les pardons entre l'envie sauvage de partir au loin et l'esclavage des pitres au point. Entre la course à pied, celle des étoiles, le bonheur blasté par de l'amour sale. Entre le grand jour et la petite vie, entre perdre le tour et puis trouver Charlie. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires. Qu'ensemble, on peut faire pencher la balance. Sinon, l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre le mardi gras et le vendredi saint, les soldats d'Allah, ceux qui croient en rien. Entre les païens et les paillettes, paraîtrait même que Dieu sait plus quoi mettre. Entre les plats du jour et les coups d'un soir, les grands retours et les faux départs. Entre perdre le nord et toucher ton sud, entre le prix de l'or et le coût de la solitude. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires. Qu'ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Et mon biscuit chinois, une bonne syncope et la mauvaise foi. Entre les nuits blanches et les idées noires, les vrais silences et les faux espoirs. Entre bouche à bouche et les portes à porte, entre ce qu'on étouffe et ce qu'on exporte. Entre les grands froids et les chaudes de nuit, entre ce qu'on voit pas et tout ce qui reluit. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec trois couleurs primaires. On peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Donne-moi les trois couleurs primaires, je te colorerai les nuances de la terre. Veux-tu qu'ensemble on fasse pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de chance. Les animatrices se sont demandées, et si
Cégep en spectacle n'avait pas d'animation. Sur cette blague un peu douteuse, nous poursuivrons avec une interprétation de la pièce « Dis-moi pas ça ». Accueillez Alexandra Roy! Bonjour, j'espère que vous passez une bonne soirée. J'ai décidé de m'inscrire à Cégep en spectacle pour sortir de ma zone de confort puis augmenter mon public plus que mon chat. Je pense que c'est un bon début de chanter devant vous pour sortir de ma zone de confort. Toutes les chances nous restent à vivre, juste notre histoire s'affole comme dans les livres. On peut s'aimer comme des perdus, sans trop penser qu'on s'en verra peut-être plus. Tu t'en vas, oh, emmène-moi avec toi. On peut passer des nuits entières à faire l'amour et à boire de la bière. Parcourir tous les grands restaurants, me demande, me pose qu'on va prendre l'argent. Non, non. Et si nous avions mis, dans notre plan de commandite, de nommer les généreux donateurs? Go, Opsco! ITA Campus de la Pocatière. Saint-Anne de la Pocatière. Norbert Morin. Ville de la Pocatière. AGECLP. Fondation de l'Institut de technologie agroalimentaire du Campus de la Pocatière. Association des anciens et des anciennes Instituts de technologie agroalimentaire du campus de l'Apocatière. Fondation du Cégep de l'Apocatière. Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny. Merci! Et maintenant, une catégorie mixte interprétation et création. Elle vous présente thèmes et variations. Voici
Aude Jalbert Drouin et Gabrielle Coe. Et si il y avait de l'action à l'apocatière? Bonjour, madame la témoine. Mon nom, moi, c'est Léon Hudon. Hudon, ben, des rangs des Hudons, en arrière de la maison des Hudons. Je suis présentement à SQ à l'apocatière, à ne pas confondre avec Sainte-Anne de l'apocatière. J'ai lu dans le placoteux, journal que je tiens très haut dans mon estime, que vous auriez été témoin du vol d'un veau mature. Est-ce vrai? Oui,
Hey! Gagne-moi les deux billes. Je te watch. Je vais sortir mon outil d'interrogation. Le guess who? Tut! Ton attitude, je la prends, puis je l'écrase. J'ai quelques questions pour toi. Premièrement, est-ce que le coupable était une femme? Oui. Oui. Deuxièmement, est-ce que le coupable portait une moustache? Ben oui. Troisièmement, est-ce que le coupable portait une robe carottée en velours cordé assortie de bottes roses poire? Non. Tiens donc, la coupable n'est pas dans mon répertoire. Je vais donc vous poser quelques questions. Qu'avez-vous fait jeudi soir dernier? Ben, comme tous les jeudis. On a commencé au Bouche-Trou. Après ça, j'étais allée chercher mon skidou pour me rendre au Saint-Louis. Oh, skidou! Pour vous rendre au Saint-Louis. Donc, si je me fie à mon instinct et que je rajoute quelques détails, on peut observer... Tiens donc, une pizza. Il est l'heure du dîner. Je reviens plus tard. Dans la catégorie création, il vous présente Arrête ton cirque. Accueillons Laurent Charette-Pépin.
qui conclut mon numéro. Et rappelez-vous, mes amis, que si un jour vous êtes fâchés, faites du cirque. Merci. Et si la guerre n'existait pas? Et maintenant, voici une composition qui a pour titre « Tu t'oublies ». Voici les membres du groupe Smash. Lisa-Anne Bélanger-Caillouette, Alexandre Bélanger, Anne-Sophie Grenier, Frédéric Bérubé, Kevin Marc-Jonf-Lévesque et Antoine Marquis. Respire bien, comme si ça allait t'aider. Debout devant ton miroir, tes cerneaux reflètent ta nuit écourtée. Ce matin, tu n'as toujours pas faim, un peu comme hier et avant-hier. Peut-être parce que tu sens sans arrêt le regard persistant des performances de tes pailles. Le travail est supposé payer, mais même avec tes efforts acharnés et tes premiers pas vers la gorge, le poids lourd pèse déjà sur tes épaules. Au milieu de la classe d'examen, tes mains sont tremblantes, ta copie est encore vierge et s'y voit déjà le stylo rouge qui émerge. Déboussolé par l'excellence, tu adoptes la démence. Reconnaissance pour son raison de ton mal de cœur. Tellement concentré à exceller, tellement occupé à dans tes performances que tu t'oublies. Tu pratiques le sexe comme si c'était un sport, mais effort blanc, résultat noir. Whoa.
cafétéria, tu regardes les autres vivre, pendant que toi, t'essaies simplement de survivre. Toujours une note poussière, le rappel de la côte-terre, ou bien la demande d'admission sévère pour interrompre ta fierté éphémère. Déboussolé par l'excellence, tu adores la démence, reconnaissance pour son honneur, raison de ton mal de cœur. Encore te rappeler qu'un mais l'avenir est avisé, mais à la fois animé et étouffé à cause de ton envie dangereuse. Le stress te fait perdre le contrôle, tu perds le contrôle, tu perds le contrôle, tu perds le contrôle. Mêlé par le devoir d'excellence, sous l'emprise d'un profond besoin de complaisance, malgré tes efforts et ta volonté foncée, c'est bien que ta propre conclusion est déjà rédigée. On dit que l'échec, c'est pour moi de la réussite, mais pour toi, vivre un échec, c'est bien pire que lutter. Puis on dit que sans échec, il n'y a pas de morale, mais t'es la preuve même que tu es banal. Ça fait que tu tiens chaque soir sur le tabouret de l'anxiété, puis sous la corde des attentes. Donc n'oublie pas ton chandail en manches longues. C'est pas finir en très bon. Pendant la compilation des votes du jury et du public, nous avons la chance d'accueillir un groupe de rock pas mal joyeux. Si vous n'aviez pas pris de caféine, ça va faire pareil.
La plupart des membres sont originaires de Saint-Jean-Port-Joli. D'où leur style un peu crackpot. Voici The Rad-A-Dams. Salut! Bonsoir! Salut la POC! Ça fait 20 ans que j'ai pas joué ici, je suis de retour! Il y a 20 ans, j'ai joué ici! Un jour alors que je n'avais que 6 ans, dormant de mon sommeil d'enfant, j'entendis soudain des hurlements. C'était ma main qui flambait doucement. Yodlé, yodlé. Et dans l'odeur de la chair brûlée, hors de mon berceau, je me suis garoché pour me retrouver en bas de l'escalier, dans les cadavres de mes frères cachés. Yodlé, yodlé. Et d'une main repoussant la boucane, je vis une fort belle grande dame. C'était saint ange, l'homme pour me guider, pendant qu'elle-même flambait au 3e degré. Yodlé, yodlé. Conduit au pied de l'écurie, sauver les chevaux, c'était son seul désir. Ouvrant la porte, je fus rempli de stupeur. Les flammes déjà enveloppaient mon travail. Yolé, yolé. Depuis ce jour, je parcours la prairie, la chaise roulante, entendez mon chant. J'ai reparé le fur et beau. Le malheur frappera vos enfants et la vie de son mauvais destin fera de vous tous peut-être comme moi. De pauvres orphelins. Yolé, yolé, yolé. Oh, les fraises et les framboises. Yodelé. Merci la POC, on est les Rad-A-Dams. Ça, c'est une chanson de Tex LeCor pour ceux qui le savaient pas. La balade du gars brûlé. Une petite chanson d'amour. Chanson d'amour, oui. Ah, ouais, ça sent bizarre, ça. Ouais, ça sentait pas ça quand je suis venu à la POC la dernière fois. J'aime ça, c'est beau la POC, mais il y a une odeur. C'est... Ouais, toi aussi, hein, tu le sens, hein? C'est quoi ça sent? Le patchouli, 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 patchouli. Patchouli, 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 patchouli. De hippies rassemblés par centaines. Où ça? Des flux de patchouli, la forêt en FM. Paix et harmonie, tel est leur credo. Du matin jusqu'au midi, bienvenue au Rainbow. Tous aux abris, blanc, les hippies. Tous aux abris, blanc, les hippies. Patchouli, 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 patchouli. Patchouli, 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 patchouli. On entend les tam-tams et les cris des enfants. Maman. On entend le vacarme résonner inlassablement. Ah! Les hippies sont en transe car c'est soir de pleine lune. Et tout nu, ils dansent et font touche dans l'eau brune. Tous aux abris, flot, les hippies. Tous aux abris, flot, les hippies. Entre dans le cercle, fais ton propre mousse. Boire de l'eau verte et bouffer du couscous. Allez, viens faire des
famille. Touche aux abris, flot les hippies. Touche aux abris, flot les hippies. Hey, l'eau, c'est à tout le monde! J'étais dans un Ben Rock avant. On jouait électrique puis tout. C'est quoi ça sent? Ah! Le patchouli, 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 patchouli. Patchouli, 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 patchouli. Patchouli, 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 patchouli. Patchouli, 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 patchouli. Oh ho! Maintenant qu'on l'a dit, ça sent plus. Ça sent bon! Tu es reparti sur la montagne du collège. Ça sent la POC! Petite chanson de notre cru. C'était Patchouli, ceux qui la connaissaient déjà. Tu sais, non, hein? Pay Your Dues, prochaine chanson. Petite histoire d'amour qui finit mal, toujours mal. What I could, I made a fool of myself, thinking I was right. I just read a few names, but it still felt the same. I just read a few names. I just read a few names. It's okay if you don't. It's okay if you think I was wrong. Just read a few names. Almost unperceptible, the things that bring us together is driving us apart and go back home. And go back home. So I fade in and I went black, but it still felt the same. So I fade in and I went back to think about a step, how this could have been. So I fade in. But it still felt the same. So I fade in and I went back to think about how this could have been. And if I ever lose myself, still haunted by the lies, I need to know something. Just tell me that one thing that you remember about me. That you remember about me. So I fade in and I went black, but it still felt the same. So I fade in and I went back to think about it, how this could have been. So I fade in and I went black, but it still felt the same. How this could have been. That's where it all goes down when she gets in my bed. That's where it all boils down when she's giving me it. That's where it all comes down when she's getting my head. That's where it all goes down when she's giving me it. Cégep de la POC! Ça fait changement de jouer dans des petits bars où est-ce qu'on est tous tassés, collés un sur l'autre. Je suis obligé de sentir Claude. Ça, ouais, c'est... mais là, c'est quasiment malaisant. Moi, je suis comme habitué à la proximité. Là. Vous êtes loin. Ça. Moi, ça fait du bien. Un break. Arrêtez! Ouais, ça va-tu à l'arrière? OK! C'est toi qui parles. OK!
I was there right back at the shed. That's what sparked my thoughts. I waited a long time to go nowhere, and I wondered what it would be like to return, so I could ease out and not get noticed. Oh, you never should have known. Oh, you never should have known. Oh, you never should have known. Let it all be known. Never had a social life, as most can be so grotesque in their quest to see others fail. I can't go on like this. Time is running out anywhere close to where I was, not wanting to end the night. Oh, you needed something more. I needed something more. I needed something more. Now I don't have to go home. I'll try the road less traveled to see if it makes any difference at all. Whoa. Oh, 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 oh. Oh. And I wondered what it would be like to return, so I could ease out and not get noticed. Oh, you never should have known. You never should have known. You never should have known. Now we don't have to go home. We'll try to ben c'est vous autres qui êtes trop hot! La POC, c'est hot! La prochaine s'appelle The Curse. Kisses that we never
morning with a big surprise. It made sense to me as I stared at the sunrise. If nobody moves, then nobody cares. Then I'll drink to that and nobody gets hurt. And I can't believe you wrote the number down. And I can't believe you called for a Désolé, lui, le monsieur il dit qu'il nous en reste rien que deux. Êtes-vous d'accord? On s'en rejase après celle-là? Il a dit trois! Ça sent bien, il en reste trois sur la feuille! En vie, il faut revendiquer. C'est ça que ça sort le cégep, je pense, dans mon temps. Ah, ça fait longtemps que je suis. Sauce barbecue! Comme vous voyez, Jonathan adore les jokes de papa. In a straight jacket, you can hear him screaming.
Il en reste deux qu'il a dit tantôt, c'est ça. J'en ai un deux. Tantôt, il en reste deux. Captain de Babylon, go! Hey, hey, ya la, 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 ya la
Merci. OK, on vous en fait une dernière vite, vite. Le temps presse. On dépasse déjà. Y en a-tu qui aiment ça, le reggae? Ben, vous avez vraiment des goûts de chiottes. One day, if you wanna be a man, there comes a time to reborn. Oh, see the cold eyes as you walk by. Bye 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 bye. Then I see what you'll be getting down the road. And bring it down their way. So stand your ground against them, hold them, swallow you. Oh, 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 oh. See, it's all lies, and you ask why. Oh, why? There's just so many bumps and cracks down the road. Merci, c'est déjà pour le spectacle de l'invitation. Merci beaucoup. On est les Rad Adams. Check ça, on est gros de même. Je tire mon pic. Merci beaucoup, messieurs. On peut leur faire une dernière main d'applaudissement? Alors, au costume, accessoires et tout autre tâche connexe à l'animation, merci beaucoup à Jessica Bernier. Et puis, sans eux, le spectacle serait acoustique et dans le noir. Donc, à l'éclairage, Benoît Rousseau et au son, M. François Caillouette. Merci beaucoup.
Ils sont toujours habillés en noir, ils sont efficaces, on les aime. Notre équipe de techniciens de scène, venez vous montrer. L'équipe d'encadrement, les coachs musicaux, les metteurs en scène régisseurs et j'en passe, Michael Redmond, Philippe Laterreur et Mathieu Boucher. Et surtout, je demanderai une bonne main d'applaudissements, pour tous les participants de Cégep en spectacle de la finale locale du Cégep de la Pocatière. Remise des prix avec le prix coup de cœur qui sera remis par M. Nézar Mahan. Il s'agit d'une bourse de 150 $. Et voilà. Le gagnant de Cégep en spectacle, catégorie coup de cœur est... Tu t'oublies de Smash! Alors maintenant, le deuxième prix, accompagné d'une bourse de 300 $ offerte par la Fondation du Cégep de l'Apocatière, sera remise par M. Juan Mercier-Bélanger, président de la Fondation. Donc, premièrement, félicitations à tous les participants. Il y avait de la qualité de numéro ce soir, puis je pense que ça mérite un autre main d'applaudissement. Donc, le gagnant du deuxième prix de Cégep en spectacle de l'édition 2018, c'est... Arrête ton cirque, Laurent Charette-Pépin. M. Pierre Poirier, président de la Fondation de l'ITA et vice-président de l'Association des anciens de l'Institut des technologies agroalimentaires, à remettre le premier prix. Cette distinction est accompagnée d'un laissez-passer pour la finale régionale de Cégep en spectacle Région Québec, ainsi que d'une bourse de 400 $. Bien, bravo à tous les participants et participants, ou participants de participants, et le gagnant ou la gagnante. Roulement de tambour. Tu t'oublies de Smash!